Salut à tous, c'est Megavolt. Salut, c'est Crystal. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte du jeu The Legend of Zelda Twilight Princess sur la Wii. Alors, dans le dernier épisode, donc hier, si je me souviens bien, la jeune demoiselle qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, comment s'appelle déjà? La petite là. Midona a fait une drôle de tête lorsqu'elle a vu que le miroir était cassé en plusieurs morceaux. Et donc, le but de notre mission va être de récupérer les morceaux en question. Et je crois qu'il y en avait 4, c'est ça, non? Il y en a 4, mais on en a que 3 récupérés vu qu'il y en a un qui était resté sur le machin. Ouais. Et là, on retrouve le facteur à moitié à Walpé qui vient encore nous casser les pieds. Oui, ça fait pour ceux qui ont Walpé, c'est pour les rimes. Ah, une lettre envoyée par Cramé. Sûrement pour nous dire qu'il a créé une nouvelle sorte de bombe. Mm-hmm. Probablement les bombes insectes. Les bombes insectes, vous les avez déjà vues la dernière fois. Oui, mais on l'avait pas enregistré. Ouais. Donc nos amis ne l'ont pas vu. Mmh. Ouais, c'est le jour de ma bêtise. Voilà, donc il est 21h et nous commençons l'enregistrement de cet énième épisode. Et Link est suivi par un petit chat que nous passe sous la caméra. Alors, à part ça, donc là nous sommes à... j'ai plus le nom de la ville, j'ai un trou de mémoire. C'est Hyrule. C'est Hyrule, voilà, c'est ça. Je suis un peu fatigué, pourtant j'ai pas fait grand-chose. C'est la citadelle, si tu préfères. La citadelle. Nous sommes dans la plaine d'Hyrule. Et donc, nous allons... Tiens, il y a un spectre. On va arriver au passage où Link doit aller, si je me souviens bien, je t'avais expliqué, aller voir... On va pas dire qui, mais en tout cas, on sait qu'on y va et qu'il va faire très froid. Exact. On va rencontrer monsieur et madame. Est-ce que t'entends bien au niveau du casque? J'entends bien. C'est sûr que j'entends pas bien. Alors ici, je crois qu'il y avait le loup dans le coin, parce que je l'ai vu, j'ai vu le point blanc, le point jaune. Voilà, il est là. Ah ouais. Donc une nouvelle botte secrète sans voilà, loup. Exactement. Et Link est mort dévoré par un loup affamé. Non, c'est pas ça. Te voilà de nouveau devant moi. La prochaine botte que j'ai à t'enseigner est aussi la plus puissante. Il se peut aussi qu'elle te coûte en fortitude. Désires-tu sincèrement faire cette botte tienne? Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains. Montre-moi ta maîtrise du pouvoir vert. Alors défeure ta lame et viens croiser le fer. Tu ne peux me navrer aussi ne retiens point tes coups. Avec nous... Merveilleux. Me voilà rassuré. Je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements. Je vais donc te montrer la quatrième botte. Le brise-casque. Retiens bien ce nom. Certains ennemis, bien que cuirassés, seront trop lestes pour que tu puisses les prendre en pouvoir vert. Alors écoute. En premier lieu, tu ouvres la garde de ton ennemi avec une charge bouclier, puis tu presses sans tarder sur A. Pendant que tu voles par-dessus ton adversaire, caresse de ta lame son crâne, puis attaque-le aussitôt, retombé dans son dos. Eh ben... Voilà ce qu'est le brise-casque. Alors, à toi. Montre-moi si tu as compris. N'écoutes-tu donc point mes paroles? Tu dois d'abord faire une charge bouclier. Mais oui, j'essaye. Bien. Bien joué. Ne laisse jamais passer l'occasion de porter un brise-casque avec A après une charge bouclier réussie. Tu as maîtrisé la quatrième botte, le brise-casque.
Il te reste encore 3 bottes à apprendre. Pratique sans relâche tes compétences martiales si tu veux prétendre au reste de mes enseignements. Nous nous reverrons. Je pensais que c'était la dernière botte, tu lui as dit que c'était la plus puissante. Non, je pensais que ça doit être la cinquième ou la sixième, mais ce n'était que la quatrième, visiblement. J'espère qu'on n'en a pas loupé, par contre. Je pense pas, mais... C'est jamais avec moi. Mmh. On va peut-être essayer de débloquer cette partie-là avec le goron. Avec le bain chaud. Mmh. Hey, t'es l'humain. Fortiche, dont on m'a raconté les exploits, tu vois cet ébouli ? Incroyable, il y a un effet, je sais pas quoi. Au fait, qu'est-ce que tu viens faire par ici ? Tu veux passer par là ? Avec une petite gorgée d'eau thermale pour me donner des forces, je n'en ferai qu'une bouchée. Si tu retrouves de l'eau thermale, reviens me voir. Ok, mais je peux pas avoir l'eau thermale tout de suite. Le bruit que vous entendez, c'est le chat qui fait ses griffes sur son patois. Oups, je regardais plus que je faisais, mais... Oui, c'est fermé, mon cœur. Tu sais pas ouvrir les portes. Et dû laisser aller, là. Il évite de débrancher le câble. Tu fais là, toi. Que puis-je faire pour vous? Si vous voulez rejoindre la rue Est, prenez cette ruelle devant moi et allez toujours tout droit. Si vous sortez de la ville par cette rue, vous devriez rejoindre la plaine des rues, mais je ne sais pas si l'on peut y accéder. Il est mignon, il attend devant la porte, comme si la porte allait se voir toute seule. Ben, c'est un chat. Hein. Mmh. Taverne de Thelma. Et alors, comment va Iria? Je suis sûr que le père Renal trouvera un moyen de guérir Iria. Arrête de t'inquiéter, concentre-toi sur ce que tu as à faire, tu en as déjà assez avec ça. Je sais que tu te débrouilles très bien tout seul, mais n'hésite pas à demander conseil à Ash. En ce moment, elle est postée dans les montagnes au nord des moules. Sa position exacte est inscrite sur la carte, sur la table au fond. Tu peux aller voir. Naturellement, le téléphone sonne toujours. Ah, c'est bon, ça, c'est pas le bon moment. Elle a seulement dit que c'était, voilà, la chère a seulement dit que elle s'était préoccupée par les pics, qu'elle était préoccupée par les pics blancs, et elle est partie. J'ai du mal à suivre. J'espère que le bruit ne vous gêne pas trop. En ce moment, je dois avouer que je suis complètement fasciné par la légende des Célestiens. Tout le monde connaît la légende qui dit que ce sont les Iliens, un peuple quasi divin qui aurait fondé Hyrule, mais une autre légende dit qu'il existait un peuple encore plus ancré, avancé, et que ce sont eux qui l'ont fondé. Ce peuple aurait créé une autre ville lorsque les Iliens sont nés, et propulsant cette ville dans les cieux s'y serait installée. Certains chercheurs pensent que ce peuple vit aujourd'hui encore quelque part dans le ciel. Des Célestiens, fascinant, non? Je donnerai n'importe quoi pour les rencontrer. Je m'occupe du chat et je reviens. Pas tout de suite. Oh, Sir Link, je dois avouer que l'inquiétude m'a gagné à votre sujet. Finalement, la tour du jugement recelait elle quelques mystères. L'humble serviteur que je suis fut autrefois employé par la famille royale d'Hyrule comme tuteur pour la jeune princesse Zelda. C'est à cette époque que j'entendis pour la première fois mentionner le miroir maudit de la tour du jugement. Je les aide à rassembler toutes sortes d'informations, alors si j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Donc, on va aller rejoindre Ash, là où elle est. On va aller par là, ça ira plus vite. Nous allons nous téléporter au village d'Aura. Ça nous rapprochera de l'endroit où on doit aller. Excusez-moi, j'ai un peu mal à parler aujourd'hui. Ouais, je suis de retour. J'ai pu éteindre un des téléphones, j'ai pas retrouvé le deuxième. Il est dans la chambre.
sont à toi, Bulbar. Hop. Et nous allons donc rejoindre H, mais avant cela, nous allons nous transformer en humain. Pas devant tout le monde. Et pas devant tout le monde. Non, ça me fait... C'est assez amusant qu'il l'appelle H, parce que ça me fait penser, moi, à Man in Black. C'est à H, c'est à Z. Pic blanc. Pas mal comme nom pour un titre d'épisode. Link? Ah, mais ses cheveux comme si... Que viens-tu faire dans une région aussi dangereuse? Depuis que le village des Zora a été congelé, il règne ici un froid beaucoup plus intense. Et de plus, les Zora m'ont relaté une bien curieuse histoire. Récemment, le Yeti qui réside au plus profond de la montagne apparaît fréquemment au village. J'ai décidé de me poster ici, et effectivement, il est apparu. Il ressemblait à peu près à cela. À une carte? Non, un croquis. Il semblerait qu'il vole des poissons rouges sang. J'aimerais pouvoir en découvrir un peu plus, mais avec ce bizarre, impossible de suivre sa trace. Je suppose que toi aussi tu es là parce que la montagne t'intrigue. Je te déconseille de t'y aventurer, à moins d'être sûr de savoir où tu vas. De mémoire, il faut pêcher un poisson, ça. Oui, parce que si on y va comme ça, on peut très bien aller comme ça. Mm-hmm. Pas un problème. Voilà. Oh, j'avais jamais essayé ça, tiens. J'avais jamais essayé ça. Ben, je comprends pourquoi il faut pas faire ça. Link se retrouve... congelé. Un seul mot. Ouais, parce que c'est pas un congelé, hein. Que s'il se retrouve comme ça, Alors là, Link, on sait pas pourquoi, il a pas sauté. Il est censé avoir le saut automatique. Oui, c'est ça. C'est le saut automatique là qui a pas fonctionné. En tout cas, c'est ça, hein, parce que je pourrais pas aller très loin, donc on va arrêter là. On va pas perdre trop de temps là-dessus, parce que de toute façon, il veut pas. Mais la preuve, il ne veut pas y aller. Oh, elle est partie. Peut-être elle est partie pour me sauver. Donc là, je vais aller montrer le... C'est l'homme bête de neige. Hey, mais ce poisson rouge sang dans tes mains, c'est une truite fétide. Je comprends, c'est donc pour ça qu'il vit ici dernièrement. Il voulait pêcher une truite fétide. Je suis vraiment très surpris. Je pense que seul le prince Lars était capable de pêcher cette sorte de poisson. Le prince Lars. Comme on dit, c'est pas un poisson facile à attraper. Nous, on va aller voir. Le prince. Le prince. Oh, tu m'embêtes avec tes témoins. À 2 mètres, tu es pas plus loin, il n'y aura plus de témoins, tu vas voir. Ah, mais t'es casse-pied, hein. Ça, parce qu'il a oublié de te transformer en loup pour se téléporter. Franchement, Zora, regarde pas par là, hein. Et le prince Lars est ici. Ah, il est vachement là. Bah, il a Cocorico. Je sais même plus, il était toujours endormi, hein, ou il était réveillé? Bah, maintenant il est réveillé. Voilà, c'est là que ça peut être marrant. Alerte! Alerte, alerte, alerte. Monstre en vue! Planquez-vous, vite! Bah, c'est Link. Le monstre, c'est Link. Ouais. Non.
Par contre, je peux peut-être en profiter pour aller soigner. Voilà, la batterie est pleine. Puis il y a le gamin qui dit « Hey Link, fais attention, il y a un monstre !» Ouais, je suis au courant. Là, il faudra que je trouve un son sur internet, qui fasse une sorte de loup. Comme ça, si un jour on parle dans le verre, on dit un mauvais mot, et bon, je pourrais toujours censurer en post-production. Bon, tu prends le petit coffre qu'on a eu avec... Oui, mais c'est pas un bip, c'est un... Ouais, mais c'est normal. Ouais, sur un Zelda, c'est pas drôle. Sur un Mario ou un truc comme ça, c'est totalement inapproprié. Vous êtes Link, c'est cela? Non, je suis mouillée surtout. Mère, Mère m'est apparue en rêve, elle m'a montré votre image. Elle m'a aussi dit qu'un héros du nom de Link nous avait sauvés, moi et mon peuple. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait. Et si je puis vous aider de quelque manière que ce soit, faites-moi part sans détour, je vous en prie. Je me demande comment Lyra réagit si t'étais venu en vie. C'est l'homme animal vivant au pic blanc, n'est-ce pas? Mais le poisson sans erreur, qui tient dans ses mains, c'est... C'est un poisson très rare, appelé truite fétide. Ces poissons ne vivent que dans notre territoire. Ils sont très friands d'une sorte de corail très rare. Sans celle-ci, même nous aurions des difficultés à en attraper. Mais bien sûr, Link, ma boucle d'oreille fut justement taillée dans ce corail. Tenez, je vous prie d'accepter ce modeste présent. Ah ouais, tu parles d'une boucle d'oreille, toi, c'est énorme. Vous l'avez monté comme un son sur votre canne à pêche, vous pouvez aller pêche taquiner la truite fétide. Cette boucle d'oreille m'a été donnée par ma défunte mère. Mais je n'ai nulle peine à m'en séparer, je n'en ai plus besoin. Je crois comprendre maintenant les desseins que votre apparition devant elle a fait naître en mer. Je sais ce que j'ai à faire. Il me faut retourner au village. On trouve les truites fétides aux alentours de deux rocs, dans le bassin de notre cascade. Ces poissons sont rouges, vous n'aurez aucune peine à les reconnaître. C'est ça qui s'appelle les poissons sans. T'as les bombes. Regarde à gauche. Là. Tu peux pas mettre une bombe. Si t'as des soins dépensés, profite-moi. Mais je savais. Mais sinon, il y a un endroit où on a. Enfin, en sortant de la Cocorico, il y a un endroit où t'as des pierres à péter avec des bombes. Mais il y a des pierres partout à péter avec des bombes. Ok. Je pense qu'on se souvient d'un épisode. Monsieur Spock, téléportez-nous. On doit partir à la pêche. C'est vrai que l'endroit pour être téléporté n'est pas ce qu'il y a de mieux. Faut pas. Mouillé. Bah oui. Heureusement qu'il n'a pas de téléphone portable à ce moment. Non, parce que son iPhone est sans. Ouais. Non, mais c'est après qu'il l'a, t'inquiète pas. Ouais. D'ailleurs, là, Mamie ne connaît pas encore. Non, Mamie ne connaît pas encore, comme tu dis. Ouais.
Pour ceux que ça peut éventuellement intéresser, il y a un spin-off qui existe juste après le dans l'épisode de Je vous verrai demain. Qui s'appelle De mémoire un lien entre nous. C'est ça ? Non, il s'appelle Le lien entre nous. Le lien entre nous. Pas très loin. Où il avait un autre nom, il s'appelle aussi Devine qui vient dîner. Mmh. Vous savez comment elle avait fait, parce que c'est bizarre. Donc j'imagine il faut que tu ailles en gros au zéro, hein, sur la map. Non, j'ai là. C'est vrai qu'en humain ça sera plus facile. Après Link peut s'enfoncer que dans l'eau. On est lourd. On sent que ça fait ça. Ah ouais, on voit un poisson. Une sorte de saumon. Mais t'es casse-pied, Link, hein, c'est pas vrai, c'est un pêche. La mieux en fera sa côté. Donc si on n'y arrive pas du premier coup, on est prêt à accélérer. Parce que la pêche n'est pas le point fort de Link. Non, c'est vrai, c'est pas mon point fort non plus. Un petit peu plus à droite. Hein. Allez les poissons, venez vous faire avoir. Demander lequel des deux est le plus sucré entre les lignes et le poisson. Probablement le poisson. C'est peut-être décalé un petit peu par là. Pas autant, mais... Là, tu vas te retirer, je vais pêcher un joueur. Voilà. Ça me va bien. Je crois que l'autre, il partait à droite. On se retrouve avec le poisson intelligent. On voit que le poisson touche, mais on ne sait pas si il a mordu ou pas. Un petit peu trop tôt. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on voit pas le poisson, on voit rien du tout, on voit juste le machin qui flotte. Bien, bravo Link, et bravo à toi Cristal. Il a une odeur assez intense, appuyez sur plus pour voir sur l'écran de quête tous les poissons que vous avez pêchés. C'est dommage de le relâcher. Oubliez l'odeur de spectre et mémorisez une nouvelle odeur. Vous avez appris l'odeur fétide. Thank you.
Comment tu fais? De toute façon, il retombe à l'eau. Non, mais ça fait exprès. Ah, ok. J'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin maintenant. J'ai l'odeur. Mmh. On sait qu'il fallait le donner en offrande au Yeti. Mais c'est un Yeti, c'est pas un dieu, hein. J'ai pas dit ça non plus. Il est capable de trouver du poisson tout seul. Puis il va, si Ling est en haut, il va vouloir bouffer Ling de toute façon. Non, c'était pas le moment de mettre tes bottes de plomb. C'est doué, c'est bien. Oui. Il est bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pense? Si tu veux. Avant que Ling tombe malade. Tous les amis, on vous remercie d'avoir aidé cet épisode. On va mettre en pause. Et on vous dit à demain pour la suite des événements. Voilà, c'est ça, pour la suite des aventures de Link. À demain. À demain, ciao ciao. Ciao. Et prenez votre bonnet et vos gants. Ça va.